Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique et je vous présente la chaussure de rando nordique, la Kikute Perform 2.0, disponible en modèle femme et modèle homme. Et ça, c'est le modèle femme que je vous présente. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est l'entrée de gamme des chaussures de rando nordique avec semelles NNBC, donc compatible avec les semelles Rotefella NNBC, Auto, Manuel et Magnum. Et quand je vous dis c'est l'entrée de gamme, donc c'est la chaussure qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Donc entrée de gamme, ça veut dire sans doute la moins chère. Mais quand je dis entrée de gamme, ça ne veut pas forcément dire bas de gamme. Chez Alpha, il n'y a pas de bas de gamme, il n'y a que des chaussures qui sont robustes, solides, durables et confortables. Simplement, elles coûtent un petit peu moins cher. Pourquoi? Moins cher que les autres modèles qu'on peut présenter sur notre site aventurenordique.com. Pourquoi? Parce que c'est les matériaux utilisés qui sont un petit peu moins onéreux. Et du coup, ça vous fait une chaussure idéale pour débuter la rando nordique, idéale si vous cherchez des chaussures qui sont légères, à la fois confortables, performantes et durables, et qui utilisent des matériaux, je dirais, naturels et nobles, et faciles à entretenir, à la différence de certains fabricants de chaussures qui utilisent des matériaux plus synthétiques, qui peuvent paraître, entre guillemets, plus sexy et plus modernes, et finalement, qui durent moins dans le temps. Alors là, vous avez du cuir. C'est pas du cuir pleine fleur, c'est du cuir en nubuck. C'est une surface qui a été brossée, qui a été polie et qui reste et qui est imperméable et imper-respirante. D'autant que Alpha, le fabricant norvégien, a rajouté une membrane Gore-Tex dessus, donc qui vient renforcer les capacités naturelles du cuir, donc qui empêche l'eau et l'humidité de rentrer, et c'est d'autant plus vrai si vous entretenez ce nubuck. Ici, vous avez une tige ensuite avec des renforts qui sont cousus. Là, on a une tige au niveau du talon qui est plutôt en tissu et qui va apporter beaucoup de souplesse et beaucoup de confort, avec toujours des choix de tissu, des choix de mousse. Qui sont intéressantes et qui sont qualitatives. Sur le devant de la chaussure, on a un pare-pierre qui est cousu, qui va protéger des chocs, qui va protéger les orteils, qui va protéger des coups éventuels de coups de quart, et un système de serrage par lissage. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit en introduction, si vous cherchez une chaussure de rando nordique légère pour, par exemple, partir à la journée ou faire des petits raids, sans trop de dénivelé et sur des skis plutôt relativement étroits, et bien avec des fixations de normes NNBC, je vous conseille les Kikute de chez Alpha. À bientôt, salut.